Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. Et bon, on vous met dans une, comme les actrices savent tous, dans une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste. Et c'était, tu vois, des gens, des chefs de département de maquillage de plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard, tous les autres. Bon, alors ils m'ont travaillé là, le visage. Et puis ils m'ont redressé et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait avec les sourcils qui étaient un peu partout, des lèvres comme une aigle qui était énorme. Ils m'ont dit qu'il fallait que je tâte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être.